L'aquapole, c'est vraiment un équipement symbolique à Montrouge, puisque ça fait presque 60 ans qu'elle existe. Et le fait d'avoir cette piscine réouverte et rénovée, je crois que c'est un moment que tout le monde attendait. Le territoire Vallée-Sud Grand Paris, l'intercommunalité de Montrouge et des 10 autres communes du sud des Hauts-de-Seine investit massivement en faveur de ces équipements sportifs notamment. Et ici, à l'Aquapole, 4,5 millions d'euros ont servi à rénover à la fois le bâtiment dans son ensemble, mais également toute la tuyauterie, tout ce qui ne se voit pas, pour faire des économies d'énergie massivement. L'État a investi 1,1 million d'euros sur ce projet, soit 25% du coût de la rénovation, pour soutenir et accompagner l'effort des collectivités. C'est juste parfait, on a une belle piscine, l'eau est bonne, on se sent bien, donc c'est tout ce qu'on demande. Moi, je me suis inscrite à la salle de fitness. Je fais de l'aquagym et de l'aquabac. C'est une très belle piscine. Franchement, elle est pratique. Il y a une salle de muscu, ouais. Il y a de tout. Franchement, c'est beau. Moi, j'ai un petit bébé de 4 mois et du coup, je vais aller poser des questions pour bébé nageur. Montrouge est une ville très tournée vers le sport. On a beaucoup de projets en cours pour rénover nos équipements. Demain, avec notamment le hockey sur gazon et aussi le tennis, nous serons terre de jeux, Jeux Olympiques cet été. Et à plus long terme, dans quelques années, nous allons accueillir à la place de la fac dentaire, nous allons accueillir le STAPS du 15e, c'est-à-dire le campus qui formera les professeurs de sport.